C'est pour la troisième fois dans la semaine qu'il est midi. C'est donc l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité. Merci donc, mesdames, messieurs, de nous retrouver. Bienvenue sur la meilleure télévision, la chaîne 22, la télévision Caraïbe. Voici pour vous l'invité du midi. Quand depuis 2 ans, on ne trouve pas grand-chose pour défendre ou justifier la raison d'être du pouvoir en place, quand la gouvernance politique et économique et tous les autres services publics sont défaillants, quand la corruption et l'insécurité deviennent la norme et que le pouvoir est soupçonné de complicité, quelle peut être l'attitude des alliés naturels d'un tel pouvoir? Ceux qui ont fait campagne avec Jovenel Moïse et ceux-là qui l'ont rejoint en chemin sont-ils encore dans les rangs? Si oui, comment aide-t-il le président de la République à consolider son pouvoir? Des défenseurs du chef de l'État et des actions des gouvernements successifs, on en voit très peu dans les médias désormais. Jovenel Moïse, on peut se poser la question, Jovenel Moïse serait-il pratiquement seul dans ses devoirs? Et est-ce que, ou est-ce pourquoi, il utiliserait des bandes armées illégales pour réprimer la contestation populaire, comme semblent le savoir certains? Pour en parler, ce midi, nous accueillons un élu du PHTK, compagnon de campagne du président Jovenel Moïse, ancien président ou bien toujours président de la majorité présidentielle à la Chambre des députés. Il est le représentant de la circonscription de Léogane, ancien inspecteur de police de cette même ville, député Jean-Wilson Hippolyte. Bon midi et bienvenue sur ce plateau. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Oui, Davidson, je vous salue. Je salue également la population des Léogane qui me suit. La population de Léogane qui se trouve dans les 13 sections de la commune, le quartier de Toué, le centre de la ville. Et je m'excuse tout d'abord pour le vocal, parce que j'ai eu 5 jours de fête de Rara. La voix, en fait, j'ai failli perdre la voix. Non, remarquez ça, mais jusque hier, justement, ils disent que tu as gagné Rara encore, les organes. Exactement, c'est pour cela qu'il fait me dire que. Donc, on est 5 jours de fête de Rara. Et. Fête Rara, Léogane, on a dit, pour jour, pour moment Pascal, là, de commencer vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et pas oublier, et si je ne me trompe pas, vous êtes de Léogane. Exactement. On connaît Léogane et nous connaît à peu près et 2 mois de courir Rara. Et donc, bon, me demander au député Hippolyte, qu'est-ce que ça a représenté pour un élu tant qu'au, à part peut-être des discours qu'on a fait dans un défilé ou autre et qui peut-être affecté voir gens signaler là, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi le coût pour un député dont ville tant qu'au les organes qui a fait une activité culturelle qui durait autant de temps? Ça coûte beaucoup d'argent, j'imagine, pour vous en particulier. Exactement, parce que, pas oublier, Zendili, Léogane, c'est les 13 sections communales. Et dans chaque section, il y a des bandes de Rara. Chaque section communale gagne. Et ils réalisent des défilés Rara par eux. Ça veut dire, si il y a un défilé Rara, il y a une quantité de bandes de Rara qui existe dans chaque section communale. Et en tant que député qui fait proximité à une population, bien que obligé de faire sacrifice pour nous et supporter et ensemble Bandra, ça y est, on a commune. Est-ce que quelque part nous avons mis ton chiffre sur sa bureau de députation Léogane non, investi dans la réalisation de festivités festivité? Bureau de députation a investi beaucoup parce que en pile Bandra a été trouvé dans pénible difficulté pour sortir. On a parlé là de plusieurs millions de gourdes. Exactement. Donc, on était obligé quand même de faire des efforts en plus pour supporter la RAIO, faciliter que ils sortent comme
de coutume chaque année. Très bien. Mais est-ce que quelque part, nous sommes capables de dire que dépenses ça y a de bureau de députation, donc on est l'État, le gouvernement, traditionnellement, qu'on baille des moyens, diaspora, tous les organes très impliqués dans la réalisation festivités ça y a, quelque part, est-ce qu'on peut parler d'une activité rentable pour, juste pour danser, juste pour faire de la musique et des millions de dollars de gourdes ou de dollars à dépenser, et quelque part, qui ça s'est rapporté ces conceptions-là? Et oui, et normalement, diaspora, yo aidé en pile à, on a dit en termes de support financier à Rarayo et supporter et locaux, yo même tout yo fait en pile sacrifice parce que Rara a un gros coût et l'État, c'est le meg monnaie que l'État baille en support. Parce que on garde une bande de Rara et pour sortir une année, il a besoin d'environ 2 millions de gouttes. Une bande de Rara par rapport à l'exigence et on a dit Rara a vu une fait qu'on y a en termes de logistique et en tout. Termes de logistique. Mais rentrer à député Hippolyte, quelque part, si on a dépensé autant l'argent dans un pays qui gagne de grandes précarités, est-ce que c'est juste pour la danse, pour la musique, pour quelle bonne tradition, est-ce que ça gagne de rentrer économique pour la population? C'est juste pour quelle bonne tradition, jusqu'à présent, c'est juste pour danser, jusqu'à présent, comme et ou de l'éogane même là, avec mon connerara, et à un certain niveau, l'on bande de rap a sorti, ça qu'on fait autant de tort dans la famille rara. Donc, on a toujours jugé nécessaire à ce que Rara sorti. Il y a dit autant de temps. Il y a des gens qui ont même arrivé de perdre de membres dans la famille. Donc, il est toujours important. Superstition, vaudou et tout pas superstition, parce que certaines fois, nous vivons la réalité. Hein. Donc, on n'a pas dit que c'est superstition. Nous, c'est des croyants, nous connaissons. Et il y a un pile de vérité dans ça, on a dit. Très bien, mais donc, c'est tout quand même Rara, un espace prisé pour les politiques, notamment ou même qui député, et on dit que prochainement après une élection, c'est peut-être un espace tout de faire campagne, non? Exactement, parce que, écoutez, vous connaissez un proverbe créole, et Davidson qui dit, et vous changez chemise pour le monde qui se fait pour, donc Rara en difficulté. Il y a des gens qui toujours viennent en aide, il y a des gens qui sont toujours pour te support au Bali. Donc en retour, mon yo fanatique Rara yo qui besoin Rara pour danser. Donc il y a tout nos ascenseurs à tout et lorsqu'on besoin et accompagnement mon ça, au besoin support mon ça. Très bien, mais député Hippolyte, donc l'autre côté, dis-moi, est-ce que Rara a une rentabilité? Donc jusqu'à présent, elle n'a pas une rentabilité, mais cependant, n'a pas travail pour nous voir comment nous sommes capables de permettre que Rara vienne rentable. Ce qui fait Rara pas une rentabilité, c'est parce que les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les commerçants, ils n'ont pas voulu investir dans Rara et qui font défiler un seul jour. C'est-à-dire Rara n'a pas été vendu pour eux. Image, produit, et tout. Mais Rara, c'est quand même presque 2 mois, député. Donc, cave et tout, tu es capable de contribuer dans la publicité, ça y a cherché. Et accompagner Ban Rara pour être plus performant. Ou bien pour que tout le monde, tu es capable de dire, on industrie qui est formée autour de Rara, dans produit. Bah, on a un instrument, un produit, de l'autre bagaille qui accompagne les festivités là, pour permettre que, à la fois, les gens qui sont impliqués dans Rara, musiciens et tout, mais tout, la population, les organes là, bénéficient le plus largement possible. Les organes ont des espaces touristiques, ont de l'autre bagaille qu'on peut mettre en jeu. C'est quand même un littoral tout, il y a un pile plage. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'organisation véritable qui empêchait que Rara allait rentabiliser? Exactement, un souci d'organisation, un problème de marketing grave dans la question Rara, c'est-à-dire Rara a manqué. On a dit vendre comme produit sous marché local là, marché international là. Donc, même nous gagnons tout un ensemble de réflexions. Je n'ai jamais dit qu'on a fait sur Rara pour nous voir comment nous sommes capables de vendre Rara beaucoup plus. Et
en pile monde qu'on y attendait rara, en pile monde danser rara, en pile monde vient participer dans rara. Rara commence à prendre une dimension tellement élevée. Monsieur, dans le jour qui vient, rara plus ou moins capable commencer par fort rentable, parce que je pense que les hommes d'affaires ont trouvé nécessité pour venir investir dans Rara. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes prêts pour que nous, en retour, vendre produits et faire publicité pour eux. Et même Jean-Yofel dans le moment carnaval. Très bien. Avant même nous aborder la question centrale à l'émission d'aujourd'hui, qui est éminemment politique, bon, Mandeo, à côté de Rara, puisque nous avons parlé de démarche électorale tout à l'heure autour de l'événement Rara qui passait pendant près de deux mois dans les Ogan, quelque part, est-ce que il y a des autres actions qui consolidaient, nous sommes capables de dire, nécessité pour mon Ogan de continuer et mettre confiance en eux pour représenter dans le Parlement? Est-ce qu'il y a des actions véritables? Quatre ans de mandat, est-ce que c'est quatre ans de support à Rara ou bien il y a de l'autre bagaille depuis que Hippolyte a réglé dans les organes qui est capable de bailler assurance que mon organe est capable de faire confiance encore une fois? Exactement. Et le candidat, quand même, il faut gagner toute une liste de projets que ou offrir à la population en termes de promesses. Donc, c'était le cas pour nous, lorsque nous étions candidats, et nous étions exposés à la population, hein, tout ensemble de projets, tout ensemble de promesses. Et nous étions dit que une fois que nous avons gagné un vote, donc, on n'a pas le gouvernement pour exécuter le projet, des projets sérieux. Mais on a parlé de députés. Comment parler de projet et les que où sont parlementaires qui ont responsabilité à le contrôler l'exécutif et puis responsabilité pour légiférer? Exactement. Et ce parlementaire-là, c'est les mêmes qui, en fait, gagnent pour voter toute loi de finances qui gagnait et tout budget qui gagnait. Donc, les budgets ont fait, parlementaires là, supposé, tout au moins, c'est avec les problèmes qui gagnaient dans l'environnement côté le sorti, dans la commune, dans la circonscription côté le sorti, ils ont pour devoir identifier les problèmes yo, et m'en insérer et sous forme de projet en dans budget là, et pour le faire accompagner de élus et locaux yo, pour projet ça capable réaliser. C'est vrai, on parlementaire. À ce titre, député Hippolyte, est-ce que quelque part nous capables d'énumérer un ensemble de projets qui passaient en dans budget qui était gagné sous président Jovenel, depuis le président Jovenel là, et qui en exécution les organes? Exactement, non seulement il y a des projets déjà réalisés même à l'Éogane. On a parlé de qui ça? Il y a des projets de construction de routes. Vous voulez parler de la construction de la route de Darbonne. On route depuis plus que 80 ans. Et en pile, on a communiqué sur route ça pour construire, on n'a jamais construit. D'ailleurs, c'est la route conduisant chez Simone Ovid Duvalier. Et président François Duvalier toujours utilisé route ça pour aller avec madame, aller dans Citronnier. Et Jean-Claude Duvalier, c'est pareil. Il y a un pile l'autre président passé et d'autres élus et dans la commune passé, ils ont fait des promesses et ont réalisé ça. Et route ça n'a jamais réalisé. Et c'est un plus gros projet, plus gros rêve mon Léogan et gagné. Nous-mêmes, nous avons gagné tout sous forme de promesses. Et nous, finalement, réalisé. On a parlé d'un projet qui coûtait l'État comme l'argent. Si c'est dans le cadre qui budget d'ailleurs, il était inséré. Bon, c'est dans le cadre du budget 2016-2017. Pour combien l'argent, pratiquement? C'est une route qui coûtait l'État en moyenne 2 millions et fraction de dollars. Mais on connaît l'État actuel là, en politique. Et l'État a un pile matériel que yo même yo acheté. Donc l'État bail film de construction yo et réalise et bail film de construction yo
et de projet. Il n'est pas surtout projet de projet complet. C'est de projet côté yo mandé film yo pour et faire pause pour yo vendre yo en fait et asphalte sauf les béton bitumineux et yo mandé film n'a tout fait pause dans pour yo. Mais les travaux de terrassement c'est en fait l'État qui toujours réalise yo. C'est à dire route là on route 7 km et demi au voisinage de 8 km son route qui était capable de coûter en moyenne 6 à 7 millions de dollars. Mais comme l'État lui-même, il gagne les premières interventions que il fait, et sur, pas seulement sur la route de la Bonne, puis le côté l'État travaille, c'est comme ça que moi je fais. Les premiers travaux et le terrassement, c'est que je fais. Et les travaux de finition et les poses d'asphalte, les poses de béton bitumineux, yo fait li yo fait film yo fait c'est dire c'est et tout ça nous connaît c'est et film nan vendre l'État et poser asphalte dans pour l'État sur ça qui coûte pas nous parler de ça député ou dit de 2 millions de dollars et quelques ou pas un chiffre là précis mais et gain des commentaires qui fait autour de réalisation route ça que vous dit et peut-être si gain des autres projets qui rentrent dans cadre infrastructure routière qu'a réalisé les organes sous hospice ou bien m'pa konnen à quel niveau la mairie impliquée dans la réalisation ça yo ou a dit nous li mais gagne des informations qui fait quoi que c'est film privé pas qu'a exécuté travail ça yo et c'est bon, vrai jusqu'à présent c'est pas film privé pas mais Comco c'est la film Comco qui a réalisé projet ça ou actionnaire dans film là et nous pas vraiment actionnaire dans film là. Et nous avons gagné des actions dans le film ça, dans un premier temps, mais pour le moment, nous n'avons pas vraiment gagné des actions. Et, donc, pas gagné possibilité. Nous avons gagné des actions bien avant que nous étions députés, mais pour le moment, nous n'avons pas gagné. Très bien, très bien. Ça me permet de comprendre, c'est est-ce que quelque part, le travail qui a fait, c'est vraiment l'argent de l'État qui finance, ou bien c'est député Hippolyte lui-même qui a exécuté le travail ça yo, en collaboration peut-être avec la mairie et autres, donc ou disons, ou pas gain action dans le film. Ça. Mais est-ce qu'il y a des autres travaux de construction routière qui prévoient dans le cadre de l'action député Hippolyte qui a une implication très poussée dans la question de construction routière, parce que, j'en dis, il y a et l'État où qu'on a le problème comme nous même pas pour promesse que et nous t'ai fait. On dit impliqué ça veut dire l'argent propre l'argent pas qui investit dans la réalisation travail ça. Non, pas propre l'argent pas nous, mais gain des postes quoi et on député nous gain des routes par exemple en terre battue député yo qu'on utiliser propre comme pas pour acheter carburant pour acheter d'autres voies pour faire venir agrégat donc pour faciliter construction de plusieurs tronçons de route et par rapport à promesses de campagne que ont gagné à Mandayo donc sinon on est d'accord avec la population on dit non c'est chouchou population on est d'accord avec si promesses n'ont été faites non pas de Kembeyo, c'est sûr. La population va d'apprendre nous bien. J'en aurai nos journées, je très bien. N'a pas quitté chapitre ça. Pas seulement et des tronçons de route que nous avons construit dans la commune. La route de Darbonne, la route de Saïra, la route de Mélier. Et la route des remparts, que y a des interventions qui ne sont pas faites tout de suite. Moi, je connais tout. L'Afrique coloniale, qui se route dans la zone de la Caïparo, si je ne me trompe pas. Petite rivière, exactement. Exactement. Et projet de construction route, ça va commencer sous peu. Et nous, ce n'est pas seulement dans la question route, nous intervenons tout dans la question électricité. Plusieurs côtés, tant que si nous apprenons Kafoukoula, c'est la Cule Bellevue. Mon gars, tu as fait un meilleur magistrat que député Jean-Wilson Hippolyte. Quelque part, alors, je me sens quelque part, alors, je parle de tout projet ça, quelque part, la mairie de votre ville est totalement mise à côté dans le cadre de la réalisation. Ou à moins de nous, c'est toute une équipe d'ailleurs. Et depuis notre cadre de campagne, nous avons baptisé notre équipe Hippomo. Ou à moins de nous, c'est pas seulement construction route que nous faisons. Donc, nous avons réalisé plusieurs projets. Ah, parce que la mairie, c'est aussi, c'est aussi de l'équipe
PHTK qui est dans cette mairie. Exactement, exactement. Mais nous pas... même si ce n'est pas de PHTK, donc nous-mêmes, nous avons le pouvoir, l'Éogane, diriger le pouvoir, l'Éogane, diriger l'Éogane de l'autre façon. Nous avons toujours dit le début de la campagne, ça a littéralement tout comme une promesse. Nous avons dit nous-mêmes, si nous arrivons députés, pas rien qui pourrait le faire nous diviser avec élus et locaux. Pour qui ça? Parce que chaque fois ça arrive fait, que c'est l'Éogane ou bien n'importe l'autre circonscription, c'est la population qui paye pour casser. Donc, pas toujours une vraie raison qui fait. Donc, que... une véritable collaboration entre la députation et la mairie à l'Éogane. Exactement. Mais, pour réaliser genre de projet que Mme Doula. Très bien. Député Hippolyte, et, où sont élus PHTK, et j'aime souligner dans l'introduction, à travers le Parlement, où a dirigé la majorité qui a supporté l'action au gouvernement. Et, rapidement, hein, et, sous question ça. Est-ce capable de retourner sur la première rencontre avec le président Jovenel Moïse? Dans quelles conditions vous rencontrez le président Moïse et qui fait comme monde qui voulait entrer dans la politique parce qu'avant vous étiez officier de police, ou dites tout, c'est un homme avec qui je peux collaborer. Est-ce capable de retourner brièvement sur rencontre ça? Première rencontre avec le président Jovenel? Bon, et première rencontre avec le président Jovenel, c'est pas une rencontre personnelle, c'est une rencontre convoquée par. Si vous voulez planifier par le haut état-major du PHTK, donc les élus étaient réunis et Jovenel était invité, puis il était venu dans la rencontre là, c'est là, et le président Matéli a fait nous lier connaissance à Jovenel candidat. Donc, une fois que ce candidat PHTK, nous autres, nous sommes élus PHTK, nous avons intérêt et travail pour que candidat loin lui gagne pouvoir. Donc, est-ce que ça ne veut dire pas forcément un partage de vision sur Jean-Noël Pays? Oui, parce que l'été gagne un long exposé de ça gagne comme rêve, comme projet, comme ambition. Et si toutefois que l'État est venu président, donc effectivement, nous était convaincu nous à travers exposé lui. Donc nous tous nous dans cette bataille là et au bras ouais, l'Éogane, c'était on a dit espace et d'ouverture de campagne de Jovenel, de fermeture de campagne de Jovenel en termes de rassemblement où qui ça s'abaille, c'est le centre même de rassemblement de la campagne de Jovenel Moïse. Et à chaque fois que l'élection était gâtée, tournée dans l'élection, donc l'élection était refaite. Donc, vous voyez que c'est la population de l'Éogane qui était toujours, en fait, présent dans le genre de rassemblement. Et pour te normalement, on a dit, bail des signaux clairs et à. Non seulement à secteur qui en face Jovenel, mais faut des signaux sur le plan international, montrer que Jovenel gagne en pile monde qui a suivi, en pile monde qui devait marcher avec. Ce souffle et moi circonscrit sur Abdila, ça t'a montré combien ont été un élément important dans la campagne ça, et je dis encore, ou a dirigé majorité qui a supporté l'action gouvernement. Nous élus ensemble, alors ou élu, ensuite président Jovenel Moïse élu, ou a mené majorité dans niveau chambre députée à Pouli, donc on a fait lobby pour supporter l'action la FEO. Deux ans plus tard, après gouvernance, dans la gouvernance président Jovenel là, les ou même comme député, on se parle des bilans là, ça a fait les organes, etc. Mais globalement, quand tu regardes, quand vous regardez, monsieur le député, pardon, action gouvernement sous base promesse que le président a fait et sous responsabilité naturelle qui est tracée à travers la loi, à travers la constitution, sous ça le gagner comme fonction de président, ou dites-vous qui ça? Nous fait œuvre qui vaille jusque-là? Bon, nous pas capable de dire nous fait œuvre qui vaille jusque-là, mais moi connais tout, gagner en pile réalisation et qui fait. Sous gouvernance Jovenel Moïse pendant deux ans. Donc, soit aller dans le Grand Sud, moi qu'on ait un pile de travail qui est réalisé. Et soit aller dans le Nord également. Et
dans le Nord-Ouest, c'est la route de Port-de-Paix qui en fait un chantier. C'est un peu pour tout à travers le pays. Tant qu'on nous a dit Léogan, oui, il y a un pile réalisation qui fait. Peut-être il n'y a pas vendre réalisation ça ou assez. Donc, by population, hein, moi comprendre, dans 2 ans, tu es supposé gagner plus de bagaille qui fait, mais je ne peux pas prendre sous scrim tout dans la logique, même genre avec un pile mon Abdil, peut-être parce que je parle de journalistes, pour ne dire pas rien qui fait, moi qu'on ait un pile de bagaille qui fait, et c'est donc que je manque 20 sacralisés. Très bien, mais sur site communication ça, on va quoi c'est ni média ou bien de l'autre monde qui est en opposition qui t'a pas le faire pour qui t'a pas le résoudre pour pouvoir là, mais sur le plan économique quand même député, on parle d'une inflation qui a près de 20% qui a galopé, ça t'a montré que gagner en gestion du trésor de l'argent de l'État qui mal fait, ça veut dire l'État a dépensé plus que ça le gagnait et ça fait que ça n'est les crédits publics là, il a augmenté et prix au goût de la lui-même là prend valeur et prix produit a monté. Ça veut dire que la population a vécu plus de difficultés pour le manger. Ça qui allait totalement en contraire avec sa président Jovenel te dit, ça veut dire n'a mettez manger dans assiette non, mettez l'argent dans poche non pour nous vivre plus bien. Courant 24 sur 24 jusqu'à présent, nous on a un grand rêve que nous pouvons être début réalisation li. Et la réforme de l'État qui a été promise par le président de la République jeudi à les services publics. Ou capable peut-être ou même pas constater parce que ou c'est en autorité, mais c'est partout dans les bureaux de l'État, moun yo a plein sous qualité et service là, même pas dans les bureaux, mais de l'eau, électricité et tout l'autre service. Yo. Et là, nous avons une actualité qui est extrêmement compliquée. On a parlé de la question de sécurité qui posait son service public, c'est premier service que l'État a donné aux citoyens, ça veut dire c'est protéger la vie yo ak bien yo. Et là, ou non démarche côté que gang armé a affronté moun a fait moun exam a fait exaction sous population et qui dans la rue la police paraît totalement impuissant et pas plus tard que hier j'ai reçu un sénateur de l'opposition qui fait des déclarations et qui montrait l'implication la complicité du pouvoir auquel vous appartenez à savoir PHTK à travers le président Jovenel Moïse qui est capable derrière poche d'insécurité, ça a notamment un élément important que la police te mette 2 millions de gouttes sur tout le monde qui a fait arrêter lui et qui aujourd'hui a semblé être plus puissant que jamais. On a parlé là de Anel Joseph qui aujourd'hui a trouvé dans la Tibounite. Alors, rien qu'au regard de cette question d'insécurité, est-ce qu'on est fier qu'on appartenir au pouvoir qui est aussi faible par rapport à Action Bandi dans la rue depuis un certain temps? Bien avant que je vienne sur Action Bandi, on se parlait de l'inflation. Et Goudla qui presque a. De Diala a parlé de 86-85 goudes. Justement, de l'IPAFIX. 85%. Et je vais dire où, moi-même en tant que président du bloc majoritaire, et nous tenions en position, surtout sur le gouvernement antérieur, et nous étions fermes sur nos positions, nous étions touchés pour l'inflation. C'était une condition qui était posée pour que. Et l'État, le gouvernement de Moïse et Seyandaro, ils ont pris des dispositions à ce que, et ils ont résolu le problème de l'inflation. Et ils ont dit, dans le cas contraire, le gouvernement ça considéré comme un gouvernement démissionnaire. Alors c'était un point que nous avons identifié comme problème. Yo, d'ailleurs, nous avons identifié. Et point la vie chère là, côté vraiment mon pas capable manger au vin tête par rapport à monter dollar là. Et nous t'ai touché point tout problème et sécurité. Moi d'accord avec moi. Le problème d'insécurité qui est tenu à travers le pays hein, et le concerné dans tout ça, au prime abord, c'est le gouvernement à travers le CSPN qui a gagné des responsables directs qui supposaient prendre dossier sécurité et comment résoudre. Nous voulons parler de
du ministre de l'Intérieur, nous voulons parler du ministre de la Justice, et nous voulons parler tout du Premier ministre, nous voulons parler du directeur général de la police, nous voulons parler de tout le monde, en fait, toutes institutions qui concernaient non, et affaires sécuritaires, parce que ce n'est pas... C'est pas Jovenel Moïse en soi d'abord, c'est pas l'exécutif d'abord, c'est pour ça et mais c'est l'exécutif d'abord puisqu'on va parler de CSPN, on va parler d'un certain nombre de ministres et premier ministre là, le premier ministre est le chef du gouvernement, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du gouvernement et le gouvernement, c'est le gouvernement de votre président. Exactement, ça veut dire que c'est pas la responsabilité du président d'abord. C'est pour ça, président, déléguer pouvoir à un certain nombre de monde qui eux-mêmes doivent prendre responsabilité. Yo. C'est pour ça, ouais, Mounsayo, ils ont servi de fusible à chaque fois. Chaque fois, ils n'ont pas pris responsabilité. Yo. Nous autres, au niveau du Parlement qui gagnait et un pouvoir de contrôle, qui l'a cap gardé, qui l'a cap observé, qui l'a cap constaté, qui l'a en fait cap contrôlé. Nous, toujours, garder le bagage pas bien marché, les messieurs n'ont pas pris responsabilité, nous-mêmes nous intervenons, nous prenons des décisions pour que nous garder comment l'exécutif est capable lui-même de joindre le monde vraiment que sont capables faire choix de pour bailler la population en service. Très bien, député, si vous permettez, quand on se crasse par rapport à ce dit là. Ça fait quelque temps, nous, dans la Chambre des députés, avons essayé d'aller. Donc, le problème reste tel quel et les gains ont l'impression qu'elle a empiré. Donc, quelque part, le président Jovenel Moïse fait choix parmi tous les ministres qui viennent prendre responsabilité pour le ministre là de manière provisoire. Et c'est lui encore, il baille confiance li pour aller devant le Parlement pour joindre vote qui permette que les gens viennent au Premier ministre en totale possession de pouvoir de mener un gouvernement. Le problème reste tel quel. Ça veut dire, quelque part, nous, tu es capable de gagner l'impression que la responsabilité qu'on peut essayer de fixer là, sous chef gouvernement et de l'autre institution, yo, eh ben, il découlait de président de la République, puisqu'il fait choix, M. Lapin, je dis, à cap gouverner en lieu et place de M. Seyan, et qui, toujours, pourquoi capable de porter réponse à ce problème insécuritaire. Exactement. Et le Premier ministre, il y a un pouvoir de responsabilité, comme je dis, et c'est toute une équipe. Et le ministre de l'Intérieur également a sa part de responsabilité. Le ministre de la Justice, le directeur général de la police nationale et tout l'autre et monde qui gagnait responsabilité en fait qui fait aux membres du CSPN, c'est à eux-mêmes de prendre et leur responsabilité. Et ça fait jusqu'à présent nous pour couvrir résultat et travail Mounsayo qui t'a non, normalement, c'est eux qui nommé, qui est capable de gagner compétence pour agir sur question sécurité. Ou même, on soit ancien inspecteur de police, vous connaissez de quoi il en est, question de sécurité, gang armé qui a affronté, gang armé qui a rançonné le monde, etc. Donc, pour qui ça, pour voir que vous appartenez avec l'IA, l'IA n'a totale impossibilité pour agir contre question sécurité. Parce que là, ma vie, quoi, là, on moune de l'opposition ou autre, quoi que c'est pouvoir lui-même qui a créé sécurité. Moi toujours dit moi-même le moi t'as fait en fait la police nous t'as bail sécurité nous t'es toujours pris responsabilité non d'ailleurs bandit pas de convine les organes l'homme de commandant les organes ma ville natale bien sûr et c'est ça que fait population là qui va demander me représenter un peu plus loin. Parce que ouais que moi-même la caille, l'ouab diriger ou besoin de mes pays ou le ou gon responsabilité ou besoin mettre à la hauteur de tâche. Si gagne deux monde qui pas capable obligé changer parce que ou pas capable perdu en équipe et ça qu'a privé nous là avec donc, équipe ça notamment premier ministre Lapin. Ça veut dire qui ça comment ces bandits qu'a fait loi en dans pays donc pourtant il y a des monde qui là qui pour en fait résoudre problème yo ou pas jamais ou fait rien comme effort pour résoudre le problème de sécurité. Donc, moi-même, moi, songe, je suis commandant Léogane. Un soir, il y a un bandit qui frise un petit machin de juge. Parce que n'importe ça qui est passé dans la caille. Moi, je suis dans la commune Pamela. Je suis dans le service de renseignement
et qui révélait tout ça qui passait, m'a privé sous bandit. Donc, l'homme était pour un coup, pas coca, ouais, qui compte qui est-ce qui bon quoi, puis c'était moyen qui plus facile pour mon commerce exact. Rivé sous mon pied vite, c'était motocyclette. Il était bas en couvre, tout le monde était dit, c'était bas en couvre depuis 11h du soir, je me raconte au moto dans la rue. Donc, nous arrêtons mon nom, nous saisis moto, parce que si mon levé à 2-3 heures du matin pour commencer à travailler, dans faire question taxi moto, à 11h minuit, pas qu'à dans la rue toujours pour travailler. Moun qui dans la rue 11h minuit, ils ont l'autre bagarre à chercher. Gagner tout un ensemble de stratégie que monsieur qui a fait sécurité, t'a doué et mettez sous pied pour résoudre le problème. Et problème n'a pas niveau où identifier le problème. Non, et parce que là, on parle de question de patriotisme, vous avez dit attaché à responsabilité comme serviteur de pays. Où, et vous autres parlez de. C'est vous qui évoquez la question CSPN. Non, où il y a la police, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la primature. Quel problème qui fait que pas gagne action jusqu'à présent? Écoutez, Davidson. Il est un problème identifié est à moitié résolu. Est-ce que vous pas identifié problème et insécurité? Mais sénateur Yuri dit que palpable, visible. Hier, nous recevons sénateur Yuri. Est-ce que vous pas identifié bandit? Que c'est président Jovenel qui derrière Mounsaïo à travers d'autres responsables, notamment dans le département. Mais pas aucun monde qui prend sénateur Yuri au sérieux. Ça vous l'a dit. Parce que sénateur Yuri, tout le monde connaît, c'était plus bon ami Jovenel de Gain. C'est pour quel type poste Jovenel Babali divise à Jovenel et puis la baie Jovenel, tout problème, tout charge, tout, on a dit, pour tout fort de pays. C'est-à-dire, c'est contre personnel, Yuri, il y a Jovenel, c'est pour que son pays qui intéresse. Ah ouais? Et Yuri, il n'y a pas aucun haïtien sérieux pour prendre Yuri au sérieux dans ça. Yuri a cherché à résoudre le problème personnel. Si problème, si vous résoudre le problème personnel, Yuri, vous avez mal ça, demandé et comme poste, etc. Yuri n'y a pas d'abjambe à parler contre pouvoir. Mais quelques heures. Il n'y a pas d'intéressé, Yuri, par rapport à problème pays. Dans son question personnelle, sous base fonction capricule. Exactement, c'est des problèmes personnels, de compte personnel. Il y a cherché à résoudre, il y a cherché et régler à Jovenel. Pas attendre, et comment on va attendre Yuri qui a parlé, par responsabilité à. Non, mais attendez, député Yuri. La question, c'est qui ça? On parle de problème de sécurité. Effectivement, moi, je dis problème non visible parce que il y a kidnappé les gens. Et bandit prend là où il y a tiré les gens toute la journée. Bandit a baillé défi à la police. Et on a dit, est-ce que gagner de cachette et de bandits vraiment dans l'Artibonite pour dire toutes les unités les plus formées de la station policière débarquer dans l'Artibonite, bandits là, ils ont pas cabarité bandits. Tu as parlé là jeudi à de presque 150 personnes qui t'a accompagné à Nel dans Salapmene comme exaction dans zone ça et sénateur la tortue bon mon information hier madame si son information quelque part parce que comme journaliste beaucoup vérifier li t'a semblé que gagne des monde qui prêt pour propre sécurité yo allié avec Anel dans Salap Feyo pour permettre que eux même yo pas touché directement quelque part bah la pour dimension extraordinaire si vous dites mon pas fait foi avec déclaration sénateur Yurio quelque part il y a le sénateur Sénatus qui fait des révélations hier et qui fait connait que gagnien on contact direct et régulier qui gagne entre le sénateur proche du pouvoir à savoir Garcia Delva avec celui dont on parle et Anel Joseph qui lui-même est déclaré tête li chef groupe armé et qui je dis Anel Atibonite bien avant l'été dans Cité de Dieu donc quelque part on pas fait foi tout avec déclaration sénateur Sénatus dit que on pas fait foi à déclaration sénateur et Sénatus parce que s'il fait déclaration yo et ou dit et c'est dans contact et sénateur Garcia gagné avec Bandi et en fait on a dit quelque part on t'as peut-être gagné un port de vérité mais question que nous a de poser sénateur Sénatus et télé alors information ça quoi qui côté lui dit c'est dans téléphone comment le fait lui-même et numéro de téléphone. C'est quand même président, commission, sécurité et justice au niveau Sénat République là. Donc c'est une autorité, quelque part, elle est capable de gagner des moyens
pour demander des institutions qui sont même dans le domaine de télécommunication pour balayer les renseignements. Bon, exactement. Et si c'est le cas, l'irrité Kounia à sénateur Garcia pour défendre tête li. Mais et si sénateur Garcia, effectivement, tu as gagné un quelconque rapport et tu as gagné des relations et poussé avec et Bandi, qui ça et Jovenel Moïse gagne pour le ça. C'est un proche du président. C'est un sénateur qui est en majorité et sénateur qui a supporté le pouvoir. Sénateur Garcia, c'est l'élu de AAA. Et on connaît AAA et lui en porte-à-faux avec et le président de la République. AAA, lui, est en face du président de la République. Là. Donc, pas sénateur Garcia. Et sénateur Yuri, il est en face président de la République. Là, et c'est l'élu, en fait, de AAA. On a plus dit, il est plutôt proche et sénateur Garcia qu'il est proche et président Jovenel. Ah ouais? À un certain niveau, rien ne dit, ce n'est pas une stratégie. Mais il y a une stratégie. Parce que c'est, on dit, élu, et fort souvent, moi-même, moi gagne des élus qui et fait au même en fait qui fait toujours même et bloc moi et les grandes décisions que parle pour le sénateur Yuri Latortu toujours relé élu pour le dire mais qui direction pour le prend donc ça veut dire que attendez pas cap jouer attendez ça. Sénateur Yuri Latortu qui jodi en opposition gagne des élus cap supporter pouvoir n'a pas il c'est ça veut dire là et qui connait baio des directives dans sens ou dans l'autre. Bon, en fait, et jusqu'à présent, il y a des élus et de AAA. Et bon, en fait, comme moi, on a gagné des divorces qui fait du côté de certains élus de AAA à partir à même. Est-ce que divorce a concerné le sénateur Garcia Delva? Selon vous. Divorce n'a pas concerné le sénateur Garcia Delva parce que le sénateur Garcia Delva rété membre AAA et il n'a pas gagné aucune déclaration. Il n'a pas fait aucune déclaration pour lui dire que. Et les pas sénateurs AAA. On a parlé de divorce avec le pouvoir. Est-ce que dans la démarche pour Yuri Latortu, sénateur de la République, rentrer dans l'opposition, sénateur Garcia Delva, qui est élu sous même bannière, avec le suivre dans la démarche, ça, n'est pas évident. Pas qu'à dire suivre dans la démarche. C'est toujours un supporteur du pouvoir. Écoutez, ça peut être la politique de Néron. Ça peut être la politique de Néron. Donc, ça a toujours arrivé et livré et obéir à l'instruction chef parti. Et puis, l'IFEL et Zami président, et puis pour être capable de dégager de certaines choses. Alors, ça, c'est une réflexion que je dégage. Pas gagner un yé sous l'Imchita pour me dire exactement c'est ça. Mais les sénateurs et Yuri Latortu et a cherché tous les fardeaux du monde pour laguer sous dos et exécutif là. Rien que parce que il y a des raisons très claires qui font que il n'y a pas gagné de bonnes relations maintenant. C'est des bagailles personnelles, c'est des ambitions. C'est une question d'intérêt, c'est pour une question de pays ou bien une question. Et comme si on a dit, défense de toute une population. Défense d'intérêt de toute la population. Donc, je ne suis pas d'accord avec le sénateur Latortu. Lorsque l'a cherché tous les fardeaux du monde et noté qu'on est dans les dernières manifestations, les dernières grandes manifestations qui étaient arrivées sous Port-au-Prince, qui accompagnaient ou bien comment présence des bandits de grand chemin et comment présence, M. Sao, t'es manifesté, t'es présent. Et présence sur été on a dit visible et en compagnie de monde qu'on y a capable de prendre bandit pour bailler au président Jovenel Moïse. Mais quelque part député Hippolyte, même sénateur Latortu ça qui fait des déclarations pour faire croire que justement c'était manœuvre pouvoir par l'intermédiaire d'une autorité dans la Tibonite pour te venir dans la manifestation, pour faire Arnel venir dans la manifestation, pour te discréditer l'opposition. Mais bon, des déclarations, nous, chaque nom qu'on différe, pas d'abjam même. Mais quelque part, est-ce qu'on est en train de dire, nous, qu'il n'y a aucune implication du pouvoir auquel vous appartenez, à savoir PHTK, par l'intermédiaire de Jovenel Moïse, président de la République, aujourd'hui, avec les bandits, notamment les chefs de gang, qui
déclaré publiquement, qui a parlé dans la radio, qui a détourné un camion, qui a attaqué le commissariat. Aucune implication du pouvoir avec M. Sayo qui a frappé dans la rue. Ça, moi, pas capable de dire si il y a quelconque relation ou pas. L'irrité à l'institution qui concerne pour faire le travail, arrêter les bandits et remettre bah, la justice. Donc la justice, on a dit le ministre de la justice, c'est un homme qui concerné, qui a une mission pour résoudre le problème de sécurité tout dans le pays. Hein. Mm-hmm. Donc l'irrité à eux pour arrêter les bandits et pour les bandits dit pour qui secteur il travaille. Et tant qu'on dit, les bandits ont parlé dans la radio toute la journée, beaucoup de gens m'entendent. Il y a un qui dit qu'il travaille pour le président Jovenel. Donc ça veut dire que. Il dit qu'on recevra l'argent. Il qu'on recevra l'argent, non, mais le président Jovenel. De proche pouvoir. Il fait des déclarations dans ce sens-là. Donc quelque part. Déclaration ça, et passivité que vous même vous avez constaté avec moi là, de l'État. Face à l'action bandillo, l'État interpellateur pour dire est-ce que véritablement. Parce que là, on a cherché explication pour la population qui nous regarde. D'abord, il y a des chefs bandits qui ont fait des déclarations qui n'ont pas ça. Et deuxièmement, on a constaté même que le CSPN en général, la police en particulier et les autres institutions concernées par la question de sécurité, ils n'ont pas agi véritablement face à un problème. Non. Quelque part, nous sommes capables de dire que la passivité ça accomplisse. Ils n'ont pas agi véritablement, mais on s'est dit tout à l'heure. Nous autres, au niveau de la majorité, nous faisons constat. Nous comprenons que nous vivons une insécurité qui a monté au fur et à mesure dans le pays. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons des dispositions et face à un gouvernement qui a même des responsabilités dans ce sens-là. Et on dit bien, donc c'est tout un processus. D'ailleurs, et on a fait choix de Premier ministre, donc l'irrité Kounia et au Parlement pour ratifier un nouveau Premier ministre et avec et les membres de son gouvernement pour que nous venions avec, en fait, pouvoir venir avec des éléments nouveaux pour voir comment ils sont capables de résoudre le problème insécurité. Ratification Premier ministre, là, ce que majorité que vous dirigez au niveau de chambre, ça déjà prêt pour faire? Et pour nous ratifier un Premier ministre, il y a tout un ensemble de conditions qui doivent réunir. Conditions pas nous, pour le Premier ministre, notamment, ça oui. Conditions pas nous, en tant que parlementaire, il faut que les gens qui sont nommés comme Premier ministre, là, les pas de jambes et renoncer à la nationalité, il faut regarder ça. Non, ça n'a pas parlé de considération politique. Hein. Vous et pièces li, automatiquement, si vous avez un problème, n'a constaté, mais n'a parlé de considération politique, je veux dire, autour des enjeux, autour des problèmes existants, notamment question sécurité, n'a parlé là, qui sont préoccupations premières, et peut-être tout de l'autre qu'il y a avec économie pour permettre à la population à vivre mieux, ça qui a un rapport peut-être avec question corruption, notamment pour ces Petro-Caribé qui est toujours cher avec le conseil de monde dans la société. Qui ça, nous-mêmes, considération politique, nous y est autour de sa gouvernement, ça doit présenter nous à travers la politique générale pour nous voter pour lui. Bon, et normalement, le gouvernement, ça, t'a supposé montrer nous premièrement ça qui t'a doué en premier plan dans la politique générale et le nouveau gouvernement, c'est la question de sécurité. Donc, ce gouvernement a montré nous très clairement, il a gagné, en fait, une possibilité pour résoudre problème insécurité dont nul est exempt et en d'un pays hein, par rapport à problème ça n'a pas pour voter si le gouvernement montre nous et vraiment il y a des possibilités pour assouplir problème bon pour ne pas dire résoudre parce que pas être normatif résoudre problème grand en d'un pays c'est pas aujourd'hui à demain la fête mais nous dit assouplir diminuer donc il t'a montré nous comment il y a soulager problème et population qui n'a grand goût et il t'a montré nous que problème inflation tant qu'on a parlé là qui c'est un pico problème qui fait que peuple pas ka manger dans pays il y a une possibilité pour yo, en fait et résoudre nous mêmes on dit n'a prêt pour nous voter dans la mesure où pour même pour le ministre ou bien si vous voulez, et gouvernement ça t'a capable et montrer nous
et il était un véritable rassembleur côté il était capable de mettre tout le monde chez ensemble ou d'accord avec ou tu dois choisir pour le ministre ou tu dois voter pour le ministre et puis et voter le jeudi et puis il y a des secteurs qui pas d'accord avec qui va prendre là où il y a demain et chaque fois et opposition et s'ouvre son forme son l'autre prend la rien, il fait plus tort à pays qu'il fait bien, c'est vrai. Donc, dans la logique de recherche de stabilité. Exactement. Mais député Hippolyte, si vous permettez-moi, pour considérer tout ça, ça t'a montré que il y a une volonté pour nous garantir que l'intérêt de la population, c'est lui qui est priorisé. Mais quelque part, nous connaissons la réalité, notamment au niveau parlement, c'est toujours « bam ma bord ». Et en fonction de l'enjeu qui est en présence, il y a des fois c'est ministère, il y a des fois c'est de l'assurance pour l'argent, etc. Réalité ça, nous allons le répéter encore et bien pour le troisième premier ministre. Bien quand on dit ça, c'est vrai. C'est vrai, il y a des parlementaires qui font des exigences pour voter. Mais où tu as pas loin, et pour nous voter pour un ministre, j'ai eu moi-même une déclaration comme président du bloc majoritaire. Pour nous dire nous-mêmes, nous n'avons pas fait aucune exigence. Et nous n'avons pas fait aucune exigence pour nous dévoter. Nous n'avons pas fait exigence ni pour nous débattre nos postes ministériels, ni pour nous débattre nos postes direction générale, ni pour nous recevoir un sou. Non, mais personne pour nous dévoter parce que nous estimons que le pays n'est pas capable et prendre genre de frappe, ça y est, côté chaque nègre chercher pour un petit morceau. Et pour eux et puis population. Et c'est même logique ça, nous allons à travers peut-être processus de ratification du Premier ministre Lapin. Nous autres, nous n'avons aucune exigence, nous allons faire d'ailleurs, quelle exigence nous allons faire. Donc, à qui ça, nous allons vouer pendant qu'il ne nous reste que quelques mois à passer et au Parlement. Ah, mais il est capable peut-être d'une assurance pour nous réélu, par exemple, puisque c'est Premier ministre qui a assurance pour nous réélu, nous passons là encore, c'est un. Et un peu de la méchanceté parce que nous constatons que le pays a un problème et l'argent grave. Et si c'est assurance pour les élus, c'est à mettre la peau de toute cette guerre, prendre le bail parlementaire. Là. Donc nous pensons que c'est un gros tort que nous avons fait à la population. C'est vrai, on toujours dit, et un peu le monde dans le micro, toujours dit, et députés, ils ont demandé tout, députés, ils ont gagné tout. Mais nous avons souhaité que en pile monde qui a fait genre de réflexion ça yo au moins yo ta vienne un élu yo pas besoin de venir un député yo pas besoin de venir un sénateur mais au moins yo ta vienne un élu yo ta wè en fait redevance que yo gagne à mandat yo redevance que yo gagne à population la caillou yo ta pral garder pour wè en fait est-ce que les élus gens yo di hein, c'est des monde en fait qui à chercher les bagailles pour intérêt personnel. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu qui a cherché pour intérêt personnel. Si vous n'avez pas une ambition politique large, si en fait vous êtes venu et faire un mandat député ou un mandat sénateur, c'est normal. Et vous êtes capable bien vraiment. Mais si c'est le monde qui gagne, qui vient faire une carrière si vous voulez, dans la politique, et la tourner à ascenseur à monde qui vote, par aucun député qui a dit. Bien. Donc, il y a des exigences, nous autres, j'en ai dit tout à l'heure, nous ne pas entendre et faire parce que nous priorisons les pays et nous priorisons les populations. Dernière question pour nous faire une interview à sénateur Yudatoju, et c'est peut-être une question centrale qui a un rapport avec le thème que nous avons choisi. C'est pas sénateur Yudatoju, c'est député Hippolyte. Député Hippolyte, désolé, parce que justement, on parlait du sénateur Yudatoju, et c'est le dernier invité dans l'académie mission ça. Désolé pour l'absus là, mais nous devons demander justement. Je dis à nous, au regard du bilan qu'on se fait là et considération sur ça qui manquait, qui n'est pas fait, nous avons très peu de monde. J'en étais peut-être pendant la première année, capable de prendre la parole, même j'en avais fait, ou même qui fait là, pour venir capable de soutenir l'action du gouvernement qui est en place là. Et au même se dit là, même quand les gens qui constituent la majorité parlementaire qui a supporté le pouvoir là, gagnait souvent des exigences sur le plan matériel pour voter non sans ou pour l'autre, soit en premier ministre ou bien en loi de finances ou bien n'importe l'autre bagaille. Et dans le camp PHTK, parti que vous avez élu sur l'IA et que vous toujours m'oubliez,
nous toujours senti dernier temps ça yo, que ce soit au regard de bilan ou bien des bagages qui t'a gagné au sein même de pouvoir là en termes de partage de responsabilité qui pas satisfait des monde, nous senti un délaissement. Les vrais alliés de Jovenel Moïse je dis, qui est ce? Bon, ben c'est seul Jovenel connaît. Ça veut dire, ou même comme élu PHTK, qui a dirigé la majorité, ou pas en mesure, je dis, pour répondre à la question ça? Bon, moi-même, jusqu'à présent, je ne vais pas faire comme Pierre pour me dire que je ne suis pas contre Jovenel. Jovenel, c'est allié, je ne vais pas parler pour l'autre monde. Mon senti, au senti, ça m'a pris le relâchement qui gagnait autour de, du président Jovenel Moïse par rapport à Salte Gagné comme support au départ, comme deuxième président régime tête Kaléa. Ça que tu as expliqué? Bon, là, jusqu'à présent, c'était seulement des affairistes ou bien là, des mondes qui n'étaient pas satisfaits de gouvernance politique et économique pays. Sauf que, ils n'ont jamais eu une déclaration pour dire que yo ti gens distancé. Mais il y a un relais qui a une nécessité de participer à l'émission en lieu place de où qui désistait. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour prendre parole dans le nom pour voir ça. Yo ne doit pas venir, mais ça va dire pour autant qu'il y a des distances entre eux. Non, je ne vais pas parler seulement pour l'émission, ça m'a parlé de présence, je dis, des alliés, que ce soit naturel ou conjoncturel, non, au moment déterminé, qui était aux côtés du président, qu'on n'entend plus à la radio, qu'on ne voit plus à la télé pour défendre l'action de ce gouvernement. N'est-ce pas aussi une explication de cette absence de résultat de pouvoir? Bah, ouais, c'est ça, parce que justement, qu'on est, l'homme dans l'autobus, parce qu'on est capable de belle machine, on va se les regarder. Mais avant, l'autre a vu pour au prince, c'était autobus côté qu'on montait. Très bien. L'homme monte autobus là. Il mettait mon nom à terre dans chaque station, dans chaque carrefour, dans chaque arrêt. Il y a des gens qui descendent. Et finalement, l'autobus qu'on arrive avec peu de monde à destination. Non, mais exemple, ça, est-ce que c'est bien accordé par rapport à ça n'a pas l'air? L'un considéré, c'est un groupe de monde qui te dit qu'on fait route ensemble. Nous allons le même côté. Bon, en fait, je ne sais pas vraie raison. Il y a des raisons qui expliquent ça. Mais ou même jusqu'à présent, ou Rété ont allié de Jovenel Moïse qui a soutenu pouvoir malgré ça nous a fait la conservation en termes de d'absence de résultats et notamment par rapport à ces problèmes dont sécurité a que ou même sont dont sécurité a parce que connaît, Jovenel c'est pas en fait la première personne responsable de la question de sécurité. C'est pas le seul problème qui existe. Exactement. Et puis, l'on parlait en termes de bilan, en termes de réalisation, où se dit qu'il y a des parlementaires qui font exigence au lieu que vous joignez ensemble pour et accompagner Jovenel comme élu, comme monde qui remet le pays, qui veut le pays, bah, les outils pour le travail. Nous voulons dire qui ça. Mais je vous dis, il y a un accord de Taïwan sur une question d'électricité. Donc, il y a des parlementaires qui peuvent chercher et intérêt personnel. Yo, au lieu que vous fassiez une séance réunie pour voter à Colin, qui en fait est capable de permettre que vous résolviez le problème électricité 24 sur 24, Jovenel a parlé. À mon humble avis, parce que c'est Jovenel Moïse qui parlait des questions ça, et parce que il y a pile un gros intérêt dans la question électricité et dans la question énergie. Et en Bézard. Donc, où on désintéressement, où il y a des parlementaires. Est-ce qu'on est en train de dire là que si le président ne sort pas sa bourse, il n'a pas de support, même de la part de cette majorité que ou même on dirige pour lui au niveau parlement? Non, je ne suis pas prêt à le dire. Si le président ne sort pas sa bourse, il n'a pas de support majorité pas maintenant, tant qu'on me dit, et il est difficile pour ne pas dire impossible pour avoir majorité maintenant, faire des exigences. Selon Jean Moun, tu as pensé. Qu'en est-il de PHTK lui-même comme parti? PHTK, c'est l'on dit comme parti, comme parti. Comme parti, une structure qui naturellement a supporté le pouvoir. Bon, en fait, moi, quand on est PHTK, c'est un parti qui toujours a supporté le pouvoir et qui gagne comme chef le Jovenel Moïse. Le président en fait de la République, mon qui est le président. C'est pas Pito Martelly et qui jodia selon information yo t'a viré mon qui est le président sous bannière n'importe qui parti politique s'il pas décidé font l'autre parti s'il pas décidé et cherchons l'autre bannière il c'est chef parti politique là. Donc jusqu'à présent PHTK moi pas connais gagné
rien comme désaccord, pas qu'on ait rien comme division entre Jovenel Moïse et le parti en soi, ou le haut état-major, les membres du haut état-major du parti. Et qu'en est-il de Michel Martelly, puisque, ou même, ou c'est peut-être meilleur monde qui est capable de répondre à la question, ça, puisque non seulement on s'est même parti, on a supporté le président, donc on a cuisine et régime là. Quand on parle de désaccord pratiquement total entre le président Martelly, qui est capable de léguer fonction en bas et président Jovenel Moïse à travers l'élection qui était faite, même si ce n'est pas sous le président élu, mais quelque part, il a eu le support du président Martelly. Dès le départ, d'ailleurs, il est le choix du président Martelly. Ce désaccord, il est vrai ou faux? Bon, je pense que c'est faux. Et pensez ou quoi? Question ça. Moi-même, je pense que c'est faux parce que le président Martelly a besoin toujours rencontrer le président Jovenel Moïse, de discuter tout ça, il y a bien pour discuter. Soit autour de PIA ou de pouvoir, là, ou bien de parti politique. Là. Et une pareille question, l'état difficile, moi-même, pour me connaître, gagner en vérité, là-dedans, en termes de désaccord ou bien de division entre ces deux présidents, le président en fonction et l'ancien président. Donc, l'état plutôt plus sage qu'on telle question d'art. T'as tourné vers... Si l'occasion a présenté, moi garantis ma fait, mais moi, toute difficulté tournée pour dire que le pas existait comme exactement, comme je suis supposé aux questions et Abdou, il n'y a rien vraiment de comme désaccord, comme problème entre eux. Je suis supposé aux questions, hein, mais au partage, nous ensemble autour de... et soufflant panel, là, au partage, nous séparément pour poser aux questions et Abdou, très certainement, il n'y a rien... Et comme problème entre eux. Même si probabilité pour le vrai ou faux, il est 50-50. Merci, député Hippolyte, parce que vous avez consacré du temps à nous pour l'émission ça. Et si nous sommes capables de confirmer autour de la ratification du prochain gouvernement, et ou disons que la majorité qui va appartenir paraît pour faire aucune exigence, pour ne pas faire aucune exigence pour ratifier le Premier ministre, s'il répond avec obligation dans le niveau ça doit faire pour résoudre le problème la population a fait face. Je dis à, c'est quand même beaucoup en termes de temps pour le Premier ministre de ratifier puisque les problèmes sont urgents. Est-ce que vous avez une date autour de laquelle vous pensez que c'est un salle capable d'organiser? Pas une date, pas oublié pour le ministre dans l'État fait dépôt de pièces au Sénat. Donc c'est le Sénat en obtenant? Non, nous pas obtenant le Sénat. Où qu'on est, nous pas lié à le Sénat. L'IFELT au niveau de la Chambre des députés. Et moi, supposé, et la Chambre des députés, il y a des séances qui sont réalisées pour former la commission chargée d'étudier et ou d'analyser, si vous voulez, les pièces du Premier ministre et les membres de son gouvernement. Donc, on va regarder et branche qui prête en avance et les cas pour se voir au Premier ministre et pour gagner des décisions qui sont sorties. Donc, jusqu'à présent, tout ça qui a fait passer, il n'est pas capable de dire explicatif de volonté qui n'est pas trop gagnée, je dis, pour que le gouvernement fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Bien volonté et pour que. Et ratification, choix au Premier ministre, fait, on a dit, rapide, pour qui ça? Où se dit tout à l'heure, Davidson? Peuple n'a pas attendre encore. Souffrance population, il bat son plein. Donc, et normalement, il faut gagner, ça veut dire alternance politique, il faut que nous renouvelions. Classe politique, là, faut que nous fassions élection. Donc, faut que pays bloqué avec un problème budget, faut que nous votions budget. On est d'accord avec nous. Dans la mesure où pas de gouvernement, budget n'est pas capable de voter parce que qui va faire l'exposé des motifs? C'est le ministre de l'économie et des finances. Donc, qui côté pour le jeune corps pour faire élection, hein? C'est dans le budget. Hein? Donc, comment WAP fait, on a dit, débloquer le pays hein, si les parlementaires ne mettent pas au rendez-vous pour le travail
et pour sauver ça que soit. Ah ben Naptanio à ce carrefour et Jean Ossodi là, il y a urgence encore une fois. Merci député Hippolyte parce que vous êtes consacré temps à émission ça nous espérer pour un autre thème qui lié avec position ou compétences on a rejoindre pour nous continuer à éclairer l'antenne population sur ça qui concernait actualité pays. C'est nos commerciaux Davidson et m'a toujours disponible et disposé et chaque fois et occasion présente au faire avec la même pour que nous soyons capables de garder les vrais problèmes et qui continuent de gagner une solution avec eux. Très bien, voilà. Mesdames, Messieurs, le député de l'Éogane, Jean-Wilson Hippolyte, membre du parti PHTK, dont aussi issu le président de la République Jovenel Moïse, notre invité ce midi pour parler notamment de la question de sécurité, mais aussi savoir aujourd'hui qui sont les supports au président Jovenel Moïse. Merci de votre fidélité. On vous donne donc rendez-vous demain pour une prochaine édition de l'Invité du Midi. Mais d'ici là, restez en compagnie de la chaîne 22, la télévision Caraïbe. C'est la meilleure.